On ne peut pas descendre. Non, directement. Allumé. Est-ce que tu pourras aller?
pourra aller aussi. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, délinquant, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, jeune fille, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, jeune garçon, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, papa, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, alcoolique, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et ta prostituée pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, groguet, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, commerçant, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, idolâtre, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, impudique, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, grand-mère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, enfant, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, oui, grand-père, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, parent, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu et tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer en joie.
ce soir. Que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Que diras-tu à Dieu? Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu et tu te moques de sa vie. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourras ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Shalom, shalom à tous, population d'EDEA. Shalom, shalom à ma maman. Shalom, shalom à mon papa, à mon grand-père, à mon grand-mère, aux enfants, aux adultes, aux adolescents. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. En ce matin, nous sommes venus de la part du Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, nous sommes encore venus sonner la trompette de la repentance. En ce jour, nous sommes venus vous parler de la bonne nouvelle. Nous sommes venus vous parler de Jésus-Christ, votre Créateur, le Sauveur de l'humanité. En ce jour, nous sommes venus vous présenter le royaume des cieux. Nous sommes venus vous parler, annoncer la bonne nouvelle. Alors mon frère, alors ma soeur, je t'invite aujourd'hui à prêter oreille à tout ce qui va sortir. Invite aujourd'hui à disposer ton cœur, car c'est le Seigneur Jésus-Christ en ce jour qui frappe à ta porte, car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui met la parole dans nos bouches et c'est ça que nous prononçons. Alors mon frère, alors ma soeur, alors maman, toi qui m'écoutes en ce jour, toi qui m'écoutes en ce jour, je te dis de ne pas regarder l'âge de la personne qui te parle. Ne regarde pas la taille de la personne qui te parle. Ne regarde pas l'image de la personne qui te parle. Ne cherche pas à connaître quelle place cette personne fait. Mais aujourd'hui, écoute la voix du Seigneur qui frappe à ton cœur. Écoute la voix du Seigneur qui frappe à ton cœur. Car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te parle. Car c'est ton Sauveur, c'est ton Créateur qui te parle. Tout d'abord, nous voulons vous dire que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Le Seigneur Jésus-Christ aime tout le monde. Parce que c'est lui le Créateur du ciel et de la terre. Parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui me donne aussi le souffle de vie. C'est lui qui te donne la force de venir travailler ou avoir de quoi manger. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a envoyé dans ce monde. La Bible déclare dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque crois en lui, ne périsse point, mais elle a vie éternelle. Alors mon frère, alors ma soeur, il faut savoir que personne ne peut t'aimer dans
dans ce monde comme Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui t'a créé. Parce que c'est lui qui t'a mis dans ce monde. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, quand Dieu te parlait de Jésus, tu t'en fous. Aujourd'hui, quand Dieu te parlait de ce Jésus qui est mort à la croix pour tes péchés, tu dis que laissez-moi avec ça. Quand Dieu te parlait de ce Jésus qui a accepté les injures, qui a accepté qu'on crache sur lui, qui a accepté c'est la nécrissure pour toi. Quand Dieu te parlait de ce Jésus, tu dis qu'il fait chaud, que laissez-moi avec vos affaires de l'église. Mais sache aujourd'hui que c'est Jésus qui détient ton souffle de vie, que c'est Jésus qui tient ta vie dans ses propres mains. L'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Laisse-moi te dire que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Aujourd'hui, tu t'es couché, tu t'es levé et tu n'as même pas dit merci à Dieu. Tu n'as même pas dit merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a accordé aujourd'hui. Oh ma soeur, oh mon frère, réponds-toi et viens au Seigneur Jésus-Christ. La repentance, c'est le fait de connaître ses erreurs, c'est le fait de regretter et c'est le fait de demander pardon au Seigneur et d'abandonner son péché. Alors c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ te tend encore la main en ce jour. Il te tend encore la main, mon frère. Il te tend encore la main, ma soeur. Il te tend encore la main, maman. Il te tend encore la main, papa. Il te tend encore la main, enfant, grand-père, grand-mère. Le Seigneur Jésus-Christ fait que tu ouvres la porte de ton cœur afin qu'il puisse entrer dans ta vie, afin qu'il puisse être comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que laissez-moi vous dire que le paradis et l'enfer existent. Le paradis et l'enfer existent. Ne dis pas que tu as trop de péché. Ne dis pas que tu as trop péché. Que le Seigneur Jésus ne peut pas te pardonner. Mon frère, ma soeur, décompte-toi. Si tu viens au Seigneur Jésus-Christ d'un cœur sincère, si tu l'acceptes dans ta vie, il est juste fidèle, capable de te pardonner, de te purifier. Alors, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur veut seulement, c'est quand tu l'ouvres la porte de ton cœur et tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur et Sauveur. Alors, il est encore dans ta vie. Toi, tu seras son enfant et lui sera ton père. Alors, mon frère, ma soeur, je te le redis encore. Prends l'oreille à tous ces paroles qui sortent de ma bouche. Car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui frappe à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, le péché a envahi le monde. Aujourd'hui, la modernisation a envahi le monde. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare dans l'Apocalypse, derrière les chiens, derrière les impudiques, derrière les idolâtres, derrière les menteurs, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Aujourd'hui, nous voyons que le mensonge n'est pas seulement en parole, mais le mensonge se pratique aussi en acte. Le mensonge n'est pas seulement en parole, mais le mensonge se pratique aussi. Le mensonge se pratique comment? En mettant tout ce qui est faux sur ton corps. Sachant que tout ce qui est faux n'est pas vrai. Et tout ce qui n'est pas vrai, c'est le mensonge. Alors, mon frère, alors, ma soeur, laisse-moi te dire que tout ce qui est faux que tu mets sur ton corps, comme faux cheveux, comme faux ongles, ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le mensonge. Beaucoup se disent chrétiens. Quand on dit que tu es né de nouveau, beaucoup disent que moi, je parle la langue à l'église. Beaucoup disent que moi, je connais Dieu. Je lis la Bible. Je parle à l'église chaque jour. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas l'église qui peut te sauver. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut te sauver. Ce n'est pas le fait de partir à l'église chaque dimanche, chaque semaine quand il y a culte qui peut te sauver. Mais c'est le Seigneur Jésus qui peut te sauver. Alors mon frère, beaucoup se disent être chrétiens mais ne le sont pas. Pourquoi ne le sont pas? Parce que sur eux il y a encore des mensonges. Parce qu'ils ne marchent pas selon la voix du Seigneur. Parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et ils se disent chrétiens. Quand les démons sont chrétiens, ils disent oui. Mon frère, ma soeur, décompte-vous. Laissez-moi vous dire que ce monde-ci ne peut pas vous sauver. Parce que la Bible déclare, vanité de vanité, tout est vanité. Alors tout dans ce monde est vanité. La richesse que tu chéris tant, ton argent que tu chéris tant, tes belles voitures que tu chéris tant, tes belles maisons que tu chéris tant, ne peuvent pas te sauver. Mais laisse-moi te dire, c'est celui que tu rejettes en ce jour qui peut te sauver. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut te sauver. Quand tes belles maisons vont passer, tes belles voitures vont passer, même toi-même tu vas passer. Mon frère, ma soeur, mais c'est la parole de Dieu que nous t'annonçons en ce jour. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Qui est ton créateur? Qui est celui qui peut te sauver? Oui, mon frère, si tu l'acceptes dans ta vie, alors tu auras la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que ne rejette pas. N'anticipe pas ton cœur. N'anticipe pas tes oreilles. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut que tu l'acceptes dans ta vie. Quand tu l'acceptes dans ta vie, quand tu l'acceptes dans ta vie, car lui se
le fait. Arrête de te confier dans tes richesses. Arrête de te confier chez les marabouts. Arrête de te confier chez les féticheurs. Arrête de te confier chez les sorciers du village. Car eux-mêmes, ils sont créatures. Seul le Créateur qui est Dieu qui peut résoudre ton problème. Seul Jésus-Christ est capable d'être la réponse à tes questions, d'être la solution à tes problèmes. Mon frère et soeur, laisse-moi te dire, quand tu mets, ma soeur, laisse-moi te dire, quand tu mets faux cheveux sur toi, ce n'est pas ta vraie nature de cheveux. Ce n'est pas ta vraie nature de cheveux. Tu mets faux cheveux marrons, tu mets faux cheveux bleus, tu mets faux cheveux rouges, tu mets faux cheveux noirs. Ma soeur, réponds-toi quand c'est le mensonge. Tout ce qui est faux ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et la Bible déclare ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents, je dis seuls les violents, entreront dans le royaume des cieux. Alors laisse-moi te dire tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Tout ce qui est faux, ma soeur, ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Nous ne sommes pas venus pour te juger. Nous ne sommes pas venus pour te condamner. Mais nous sommes venus pour dénoncer les œuvres de l'ennemi. Nous sommes venus pour parler des œuvres de l'ennemi, pour les dénoncer, pour que tu ouvres ton cœur au Seigneur. C'est le but pour lequel nous sommes venus. Ce n'est pas, nous ne te forçons pas. Nous ne te forçons pas à venir dans notre église. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc tout un chacun. C'est le Saint-Esprit qui peut te convaincre. Si tu lui pries, si tu le cherches de tout ton cœur, il te répondra. Il te manquera la voie à suivre. Alors ma soeur, dès que tu mets faux ongles sur toi, ce ne sont pas tes vrais ongles naturels. Ce ne sont pas tes vrais ongles naturels. Tu mets le vernis sur tes ongles. Ce n'est pas la vraie couleur de tes ongles. Oh ma soeur, je te le dis en vérité. Toute personne qui fait ça ne peut pas hériter le royaume des cieux. Car cela c'est du mensonge. Ma soeur, quand tu portes les talons, ce n'est pas ta vraie taille que Dieu t'a donnée. Tu es en train de contester avec ton Créateur. Tu es en train de contester avec ton Créateur. Disant que la taille que Dieu t'a donnée, ce n'est pas ça que tu veux. Et quand tu portes tes talons, et quand tu portes tes semi-talons, tu ta taille augmente. Or, ce n'est pas la vraie taille que Dieu t'a donnée. La Bible le dit dans Ésaïe 3, versets 16 à 24. Là-bas, on parle des ornements, des parfums, des mèches, des bagues. On parle là-bas de tout ça. Ma soeur, la Bible déclare dans 1 Timothée 2, versets 9 à 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, avec modestie. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, avec modestie, ne se pas ni de crèche, ne se pas ni d'or, ne se pas ni de pain, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se pas des bonnes œuvres, comme il contient à des femmes qui font profession de servir le Seigneur. Alors ma soeur, laisse-moi te dire, toi qui ne pratiques pas la décence sur ta manière de te vertir, et tu te dis enfant de Dieu, laisse-moi te dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que la Bible recommande aux femmes de se vêtir décemment. Aujourd'hui, moi je peux m'habiller avec les longues jupes. On va me dire que je suis grand-mère. On va commencer à m'insulter. On va me dire que mes parents m'ont gâté. Mais laissez-moi vous dire, je suis en train de pratiquer la parole de Dieu. Parce que Dieu recommande la décence aux femmes. Alors femme, habille-toi décemment. Arrête d'exposer tes cuisses aux gens. Arrête d'exposer ta mollet dehors. Arrête d'exposer ton ventre dehors. Tes parties intimes dehors. Arrête d'exposer ta poitrine dehors. Ma soeur, mon frère, toute personne qui font ça n'est pas différente d'une prostituée. Parce que ce sont les prostituées qui exposent tout leur corps dehors. Et toi, ma soeur, au quartier, qui expose ton corps dehors, entre toi et la prostituée, il n'y a pas de différence. Alors quand on va te demander qu'est-ce que tu es prostituée, tu vas dire non. Mais ta manière de t'habiller te montre que tu es une prostituée. Parce que entre toi et la prostituée, il n'y a pas de différence. Alors ma soeur, réponds-toi. Réponds-toi des habits sexy, des habits collants sur ton corps, des habits qui montrent toutes tes formes d'ailleurs. Je te le dis en vérité. Réponds-toi de cela, car ces habits attirent la séduction. Ces habits attirent la séduction. Réponds-toi de mini-jupes, réponds-toi de matelots. Aujourd'hui, beaucoup de parents habituent leurs enfants à porter des mini-jupes, à porter des collants, à porter des habits sexy qui serrent leur corps. Parents, la Bible déclare ceci. Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Dans le psaume 150, la Bible dit, instruis ton enfant selon la
assis, selon les mini-jupes, selon l'impudicité de ce monde. Allez, frère, t'es dit, car ton enfant va grandir. Il sera plus que toi. Alors le Seigneur t'appelle à la repentance. Il t'appelle à éduquer ton enfant selon la décence. Il t'appelle à éduquer ton enfant selon la décence. À t'habiller décemment. À cacher ton corps. À ne plus exposer ton corps dehors. À ne plus laisser que ton enfant porte des habillements qui exposent son corps dehors. Mais c'est à cause de toi. Beaucoup d'hommes partent en enfer. Pourquoi? Parce que la manière de t'habiller, avec la manière de t'habiller, il te convoite. Et comme il te convoite, la Bible déclare, si un homme regarde seulement une femme et la convoite, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alors laisse-moi te dire que beaucoup d'hommes ont commis l'adultère avec toi, ma soeur, qui t'habille sexy. Avec toi, ma soeur, qui expose ton corps dehors. Parce que cela, c'est la séduction. Et tu rends compte à Dieu de toutes ces personnes qui t'ont convoité. Tu rends compte à Dieu de toutes ces personnes qui t'ont convoité. Alors, ma soeur, je te dis en vérité, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. On ne se lève pas un bon matin et dit que si je marche, je vais aller au ciel. Non. On doit mettre de l'ordre dans nos vies. On doit ranger nos vies. On doit marcher selon la parole de Dieu. Beaucoup disent qu'ils marchent selon la parole de Dieu. Mais quand on regarde leur façon de s'habiller, mais quand on regarde leur comportement, on ne voit pas la parole de Dieu à l'intérieur. Ma soeur, mon frère, le Seigneur te tend la main. Nous ne sommes pas venus pour te juger. Je le redis encore. Nous ne sommes pas venus pour te faire le problème. Mais nous sommes venus pour te parler de la parole de Dieu. Toi qui te dis, mettre la parole de Dieu en pratique. Et quand tu ne pratiques pas la décence, ma soeur, on a 1 Timothée 2, verset 9 à 10, le Seigneur ne l'a recommandé. Je te dis en vérité, tu n'es pas encore de pratiquer la parole de Dieu. Tu n'es pas encore de pratiquer la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, si tu ne mets pas ta vie en ordre pendant que tu es vivant, ce n'est pas quand tu vas mourir, que tu vas aller te purifier, là où on appelle le purgatoire. Réponds-toi. Réponds-toi car cela n'existe pas. Ce ne sont pas les prières que les pasteurs, que les prophètes, que les évangélistes vont venir faire sur ta tombe qui vont t'amener au ciel. Non. Ce n'est pas ça qui t'amènera au ciel. C'est si tu as marché sur la voie du Seigneur dès ton vivant. C'est ça qui te garantit le ciel. Mais ce ne sont pas les bouquets de fleurs. Ce n'est pas paix à ton âme qui t'amènera au ciel. C'est faux, ma soeur. Réponds-toi. Ne compte pas sur ça pour dire que je dois jouer ma vie. Ne compte pas si c'est prier pour te que je dois jouer ma vie. Ma soeur, mon frère, toi qui te dis encore jeune, non, tu dis que je dois jouer ma vie. C'est quand je veux vieillir, que je veux servir le Seigneur. La mort ne prévient pas. La mort ne frappe pas à ta porte avant d'entrer. Mais la mort entre sans frapper. La mort entre sans frapper. La mort ne frappe pas à ta porte avant d'entrer. La mort entre sans frapper. La mort prend tout le monde. Même les bébés aujourd'hui meurent. Même les nouveaux-nés meurent. Et combien de fois qui est encore grand? Combien de fois toi qui es encore grand? Tu te dis que c'est quand je serai Dieu. Ne renvoie pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors si tu peux accepter le Seigneur dans ta vie aujourd'hui, fais-le. Parce que tu ne connais pas ce que le lendemain te réserve. Je te l'ai dit avec ta vérité. Tu ne connais pas ce que le lendemain te réserve. Peut-être que c'est la dernière fois que tu écoutes ce message. Mais laisse-moi te dire, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui convainc tout un chacun. Ma soeur, mon frère, c'est le Saint-Esprit qui convainc tout un chacun. La Bible déclare, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Ma soeur, laisse-moi te dire. Mon frère, laisse-moi te dire. Tant qu'ils te procèdent encore devant les images taillées, devant les images de Jésus, devant les photos de Jésus, devant les photos de Marie, laisse-moi te dire, on appelle ça de l'idolâtrie. Parce que la Bible déclare dans Exode 20, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre, des choses qui sont dans les régions plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les adoreras point, car je suis l'Éternel ton Dieu. C'est ça que la parole de Dieu a recommandé. Mais aujourd'hui, dans plusieurs églises, on voit les statues de Marie, on voit les statues de Jésus, disant que non, c'est Jésus. Oh ma soeur, oh mon frère, c'est de l'idolâtrie et le Seigneur n'est pas dedans. Qui a vu Jésus pour le filmer et mettre dans les églises? Qui a vu Jésus pour le prendre en photo et mettre dans les églises? Ma soeur, réponds-toi. Au lieu du Créateur, tu adores la créature qui est mère.
Marie. Au lieu d'adorer Jésus qui t'a sauvé, maintenant tu préfères adresser ta prière à Marie qui est juste une créature. Qui est juste une créature. En disant que c'est la mère de Jésus. En disant que c'est la mère de Jésus. Si tu adores Marie, pourquoi tu n'adores pas aussi Joseph? Puisque Joseph était le père de Jésus. Pourquoi tu n'adores pas aussi Joseph? Puisque Joseph était le père de Jésus. Ma soeur, mon frère, réponds-toi. Réponds-toi de l'idolâtrie. Toi qui te procèdes devant le crucifix. Toi qui te procèdes devant le chapelet. Toi qui portes un bracelet. Toi qui portes une chaîne. Disant que ça, c'est la chaîne de Dieu. C'est ça qui me protège. Laisse-moi te dire que c'est le mensonge. Laisse-moi te dire en vérité, que ça, c'est le mensonge. C'est du mensonge. Alors réponds-toi. Comment un objet peut te protéger? Comment un objet peut te protéger? Comment un bracelet que tu portes peut te protéger? Seul Jésus-Christ de Nazareth, seul ton Créateur, seul le Dieu des dieux, seul le Roi des rois, seul le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui peut te protéger. Alors mon frère, ma soeur, sors de l'aveuglement, sors du mensonge de ce monde, sors de la perversité de ce monde. Et confie-toi à Jésus. Je te l'ai dit avec ta vérité. L'enfer brûle. L'enfer chauffe. Et le Seigneur ne veut pas que sa créature périsse en enfer. Mais il te veut au ciel. Le Seigneur Jésus te veut au ciel. C'est pour ça qu'il nous envoie encore te parler. Le Seigneur pleure pour ton âme quand tu tombes dans le péché. Je te l'ai dit avec ta vérité. Le Seigneur pleure pour ton âme quand tu tombes dans le péché. Le Seigneur pleure pour ton âme. Quand tu tombes dans le péché, ma soeur, Jésus te tend la main. Ne rejette pas la main tendue du Seigneur. Ne rejette pas la grâce que le Seigneur t'apporte encore de te répandre. Tu ne sais pas si demain tu vas mourir. Tu ne sais pas si ce soir tu vas mourir. Tu ne sais pas si tu vas dormir et te relever. Ma soeur, mon frère, il y a deux chemins. Le chemin de la vérité et le chemin de du mensonge. Le chemin de la vie. Et le chemin de la mort. Mais laisse-moi te dire, Jésus n'a jamais forcé quelqu'un à prendre le chemin de la vérité. Mais il te dit, je te conseille de prendre le chemin de la vérité. Aujourd'hui, quand on vient te présenter ce chemin qui est la vérité, tu dis qu'on est le mensonge. Quand on vient te présenter ce chemin qui est la vérité, tu dis que ce n'est pas Jésus là-bas. Oh ma soeur, réponds-toi. Réponds-toi, je te le dis en vérité, en vérité. Toi qui gardes encore la colère contre ton prochain, réponds-toi. Toi qui gardes encore la haine contre ton prochain, contre un membre de ta famille, si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu le gardes dans ton cœur. Toi qui gardes encore rancune, je te le dis, réponds-toi. Le Seigneur dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ma soeur, réponds-toi de la colère. Réponds-toi. Réponds-toi de la rancune. Réponds-toi de la haine. Car cela ne vient pas de Dieu. Jésus veut que nous aimons notre prochain comme soi-même. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons les aimer parce que notre prochain est fait à l'image de Dieu. Parce que notre prochain est fait à l'image de Dieu. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ t'aime. C'est pour ça qu'il ne veut pas que ton âme périsse en enfer. Il ne veut pas que ton âme périsse en enfer. Mais avec le souffle de vie que Dieu te donne, tu passes le temps à marcher dans les hôtels pour coucher avec des filles. Tu passes le temps à marcher dans les snack bars. Tu passes le temps à marcher dans les boîtes de nuit. Oh! Impudicité. Réponds-toi. Réponds-toi. Toi qui pratiques encore l'impudicité. Réponds-toi, je te le dis avec ta vérité. Le souffle de vie que Dieu te donne, tu passes ton temps dans les hôtels. Tu passes ton temps dans les snack-bars. Oh ma soeur. Oh mon frère. C'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Je te le dis avec ta vérité. Ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu hérites le royaume des cieux. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu hérites le royaume des cieux. Alors, ma soeur, abandonne le péché. Abandonne le péché et retiens à Jésus. Mets de l'ordre dans ta vie et retiens à Jésus. Je m'adresse à toi, ivrogne. Je m'adresse à toi, grogué. Je m'adresse à toi, alcoolique. Le Seigneur t'aime. Il ne veut pas que ton emploi te paye en enfer. Je m'adresse à toi, maman, toi qui mets encore des make-up, toi qui mets encore des rouges à lèvres, toi qui mets encore des parfums. Arrête de courir.
corriger ton créateur. Arrête de corriger ton créateur, ma soeur. Arrête de corriger ton créateur, mon frère. Je m'adresse à toi, ma soeur. Toi qui portes encore des pantalons. Laisse-moi te dire que le pantalon a été fait pour les hommes et non pour les femmes. Et non pour les femmes. La Bible est écrite dans Deutéronome 2, verset 5. Dans Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne portera point un habillement de la femme. Car cela est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ma soeur, laisse-moi te dire, si un homme vient ici au carrefour, avec la jupe, avec le soutien, avec l'habillement comme pour une femme, on va dire abomination. Mais laisse-moi te dire, toi qui portes l'habillement d'un homme comme pantalon, laisse-moi te dire, tu as une abomination au Seigneur Jésus. Amen. Tu as une abomination à l'Éternel ton Dieu. Alors le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur, qui mettait la boucle. On dit que la boucle, c'est pour différencier l'homme d'avec la femme. C'est pour différencier l'homme d'avec la femme. Ah, c'est faux. Si on place un homme et si on place une femme, on va reconnaître que ça, c'est l'homme, ça, c'est une femme. Quand vous êtes né à l'hôpital, est-ce qu'on avait besoin de mettre la boucle pour différencier que ça, c'est l'homme, ça, c'est la femme? Ma soeur, je te dis, réponds-toi, quand le diable a aveuglé les yeux de la créature du Seigneur, le diable a aveuglé la créature du Seigneur, les boucles, si Dieu voulait que tu mettes les boucles, c'est que depuis quand tu es sorti du ventre de ta mère, tes oreilles seront percées. C'est que depuis quand tu es sorti du ventre de ta mère, tes oreilles seront percées. Ma soeur, réponds-toi. Je te dis avec ta vérité, toi qui fais le tatouage sur ton corps, la Bible déclare, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et tu ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Celui qui découle le temple du Saint-Esprit, je le découvrirai au dernier jour. Alors laisse-moi te dire, toi qui passes ta temps à découvrir le temple du Saint-Esprit avec make-up pour changer la couleur de ta peau. Tu es noir, tu deviens jaune. Tu es noir, tu deviens brune. Est-ce que c'est comme ça que tu es sorti du ventre de ta mère? Tu es sorti du ventre de ta mère étant noir. Mais parce que tu veux corriger Dieu, tu commences à mettre le chanson, tu commences à mettre le make-up, tu deviens blanche, tu deviens brune, tu deviens jaune. C'est le mensonge. Ce n'est pas ta vraie nature de peau que Dieu t'a donné. Reste naturel. Reste naturel comme Dieu t'a créé. Je te dis avec ta vérité. Dieu n'aime pas l'artificiel. Il aime comme il t'a créé. Il t'aime comme il t'a créé, naturel. Alors pourquoi corriger ton créateur? Même à l'école, nous apprend ceci, que l'injonction, que le make-up en a des conséquences. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes porter les gants, beaucoup de femmes porter les chaussettes. Pourquoi? Parce que la peau est devenue pourrie à cause d'une injonction. Parce qu'un côté de peau est noir, un côté est rouge, un côté est blanc, un côté est jaune, à cause d'une injonction. Oh ma soeur, pourquoi mettre cela et souffrir après? Pourquoi mettre cela et souffrir après? Réponds-toi des fossiles. Est-ce que ce sont les signes que Dieu t'a donné? Tu peux mettre un fossile. Tellement que si le vent passe, tu ne peux même pas fermer tes yeux. Tu ne peux pas ouvrir tes yeux. À cause de fossile. Ma soeur, tu es avec les petits signes, avec les gros signes. Mais parce que tu veux contester Dieu, tu peux mettre les longs signes quand ça dépasse tes yeux. Je te le tiens avec ta vérité. Réponds-toi. C'est le mensonge. Ce n'est pas la vraie nature de tes cils. Aujourd'hui, tu as les lèvres noires. Mais tu peux prendre un rouge à lèvres vert. Tu peux prendre un rouge à lèvres, tu mets sur tes lèvres. Tu teintes tes lèvres en bleu. Tu teintes tes lèvres en rouge. Tu teintes tes lèvres en vert. En noir, en jaune. Ma soeur, réponds-toi. Réponds-toi. Car ce n'est pas la vraie nature de tes lèvres là-bas. Jésus n'est pas dedans. Je te le dis avec ta vérité. Jésus n'est pas dans rouge à lèvres. Jésus n'est pas dans tout ce qui est nyanga. On dit que non, quand je fais ça, c'est pour faire le nyanga. Quel nyanga? Jésus est dans le naturel. Jésus n'est pas dans l'artificiel. Jésus n'est pas dans ce qui est sexy. Jésus n'est pas dans ce qui est nyanga. Mais ce que Jésus veut, c'est le naturel. Et il t'interpelle à être naturel. À être naturel comme il t'a créé. Laisse-moi te dire que la trompette va bientôt sonner. La trompette va bientôt sonner. Et ne règne pas le ciel à cause du mensonge. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ne règne pas le ciel à cause de ta mini-jupe. Ne règne pas le ciel à cause du make-up. Réponds-toi.
aujourd'hui, au lieu de se confier à Dieu, on peut se confier dans les marabouts. On peut se confier chez les féticheurs, chez les sorciers du village, chez les voyantes. Oh, oh, on peut se confier dans les crânes des grands-pères. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ton créateur à part? Est-ce que le marabout est celui qui t'a créé? Même le marabout a été créé par ton créateur. Même le marabout, même le féticheur, même le sorcier, même la sorcière, même ton grand-père, même ta grand-mère a été créé par Dieu qui est ton créateur. Alors pourquoi donc te confier à l'homme? Pourquoi donc te confier à l'homme? Oh, tu as un Dieu qui dépose toute la puissance. Tu as un Dieu qui dépose toute la puissance. Au lieu de bénédiction, c'est le marabout qui va te donner la malédiction. Je te le dis en vérité, en vérité. Je te le dis en vérité, en vérité. Tu pleures chaque jour. Tu cries chaque jour. Quand tu n'as pas l'argent. Quand tu n'as pas l'argent. Mais quand il s'agit d'acheter l'huile pour aller honorer les crânes du grand-père, c'est toi la première à sortir ton argent. Et pourtant, tu as dit que tu n'as pas l'argent. Pour le compte qu'il faut l'huile, pour honorer ton grand-père, pour honorer le crâne de ta grand-mère, c'était la première à sortir l'argent. Quand tu dis qu'il fallait ce marabout pour ta situation, tu cours, tu vas prendre l'argent. Et peut-être c'est toi qui as dit que tu n'as pas l'argent. Mais Jésus ne te demande pas l'argent. Jésus ne te demande pas l'argent. Ce qu'il veut, c'est que tu l'acceptes dans ta vie. Je te le dis en vérité, en vérité. Jésus ne demande rien à personne. Quand il te donne le souffle de vie, toi, tu ne lui donnes rien en retour. À part le remercier. Mais c'est Jésus ne te demande pas l'argent. Je te le dis en vérité, en vérité. Toi qui passe ce temps à aller gaspiller ton argent chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les voyantes, laisse-moi te dire que c'est seul Jésus qui peut être la réponse à toutes tes questions. Que c'est seul Jésus qui peut être la solution à tous tes problèmes. Ce n'est pas le marabout. Ce n'est pas le féticheur. Ce n'est pas la voyante du village. Ce n'est pas le crâne de ton grand-père qui est déjà mort. Ce n'est pas le crâne de ta grand-mère. Mais c'est Jésus qui est ton créateur et qui peut être ta solution. Même quand tu passes chez les marabouts, encore tu as toujours les problèmes. Tes problèmes ne finissent jamais. Quand tu passes chez voyante, encore tu as toujours les problèmes. Les mêmes problèmes se répètent. Les mêmes problèmes se répètent. Quand tu passes chez les marabouts, quand tu passes tout cela. Mais si tu viens à Jésus, je te dis avec ta vérité. Jésus est celui qui peut te donner la paix. Jésus est celui qui te donne qui peut te donner la paix. Que le monde ne peut pas te donner. Il est celui qui t'aime plus que ta propre mère. Il est celui qui t'aime plus que ton propre père. Quand je vais parler, on va dire qu'on a gâté la vie de ces petits enfants. On va dire qu'on a mangé ton cerveau. Laisse-moi te dire, c'est Jésus qui a arrangé ma vie au lieu de gâter ma vie. C'est Jésus que j'ai accepté dans ma vie. Il m'a transformé. Il m'a renouvelé. Il m'a renouvelé. Et aujourd'hui, je veux que tu acceptes Jésus pour qu'il te renouvelle aussi comme il m'a renouvelé. Pour qu'il arrange ta vie comme il a arrangé quand il a arrangé ma part. Ma soeur, réponds-toi. 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 Je te le dis encore. Réponds-toi, ma soeur. Réponds-toi, mon frère. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui, je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui, je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Oh, gloire à Dieu. Je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui, je chante, alléluia. Je chante, alléluia.
chante, oh gloire à Dieu. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer. Sale Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Tes voitures vont passer, ta richesse va passer, ton travail va passer. Seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Je dis ta promotion va passer, ton succès va passer, tes richesses vont passer. Seul Jésus ne passe pas. Je dis ton argent va passer, ta beauté va passer, tout ce que tu as va passer. Seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer. Ça, Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer. Ça, Jésus ne passe pas. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ça sera pour autant. Si tu es vivant, si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ça sera trop tard. Population de Léa. Jésus vous aime. Acceptez Jésus pendant que vous êtes vivant. Voici le moment d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Appelez le Fosé. David. Il est en train de parler. Jésus vous aime. Accepte Jésus. Et tu seras sauvé. Accepte Jésus dans ta vie. Et tu seras sauvé. Repends-toi aujourd'hui. Et tu seras sauvé. Accepte Jésus de ton vivant et tu seras sauvé. Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Asseur. Ne perds pas l'occasion de venir à Jésus. Viens à Jésus aujourd'hui et tu seras sauvé. Ne perds pas le salut à cause du monde. Accepte Jésus pendant que tu es vivant. Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Accepte Jésus de ton vivant et tu seras sauvé. Reviens Jésus. Reviens Jésus et tu seras sauvé.
Reviens à Jésus et tu seras sauvé. Accepte Jésus de ton vivant et tu seras sauvé. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Accepte Jésus. Accepte Jésus de tout ton cœur et tu seras sauvé. Accepte Jésus de tout ton cœur et tu seras sauvé. Accepte Jésus de tout ton cœur et tu seras sauvé. Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Reviens Jésus. Reviens Jésus. Reviens Jésus. Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Et tu seras sauvé. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ appelle cette population ce soir, à cet après-midi. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses messagers cette soirée pour annoncer la bonne nouvelle. Il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les et convertissez. Donc, bien-aimés, si aujourd'hui, le Seigneur Jésus s'est souvenu de toi, longtemps tu es resté dans les ténèbres, longtemps tu es resté dans l'obscurité, longtemps tu es resté isolé, longtemps tu es resté dans la solitude, parce que peut-être que tu te posais la question, est-ce que vraiment il y a un Dieu qui existe? Tu te posais la question, mais comment ma vie est comme ça? Comment ça marche bizarrement? Mais il faut comprendre aujourd'hui que Jésus-Christ a se souvenu de toi. Et Jésus-Christ t'apporte un message, le message de la vérité, le message de la repentance. C'est le dernier message qu'il faut prêcher à cette génération de dernières heures. C'est le message qu'il faut prêcher, qu'il faut annoncer à cette génération qui est tellement incrédule, cette génération qui est tellement perverse. Le message de la repentance, la vérité qui libère, la vérité qui affranchit. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. C'est cette vérité que nous sommes venus bien-aimés t'annoncer aujourd'hui. Et c'est la vérité là qui va te libérer en ce jour, bien-aimé. Parce que si on ne te prêche pas la vérité, tu seras toujours emballé par les faux raisonnements. Si on ne te dit pas la vérité, tu seras toujours dans l'aveuglement, bien-aimé, par les faux prédicateurs. Mais la vérité, c'est ça qui amène au ciel. Mais c'est pas, mais pour aller au ciel, bien-aimé, la Bible nous dit que la sanctification, le dépouillement, la repentance et d'autres éléments de la sainte doctrine sont vraiment obligatoires. Parce que si tu ne marches pas selon la sainte doctrine, ça sera terrible. C'est pourquoi regardez un peu comment le monde est en train de courir, comment le monde est en train de fonctionner. Le monde a sa technologie, le monde a sa façon d'opérer, sa manière d'opérer, le monde a sa manière de faire les choses. Mais est-ce que nous devons suivre le monde? Est-ce que nous devons marcher selon le monde? Mais nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon ce qui est écrit. C'est pourquoi la Bible déclare toute écriture doit être inspirée de Dieu. Donc ce qui est inspiré de Dieu, qui sont les saintes écritures, c'est ça, c'est au travers de ça, bien-aimé, que nous devons marcher. Alors mon frère, ma soeur, comme le Seigneur pourrait dire dans sa parole, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc celui qui aime le monde
l'amour du Père n'est pas en lui. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, le monde, que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et ce qui est dans le monde, ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Tout ce qui est dans le monde, quand la Bible dit qu'elle ne met pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ces choses sont les obstacles qui peuvent nous empêcher, qui peuvent faire un blocage pour entrer dans le royaume de Dieu bien-aimé. Le Seigneur nous demande d'abandonner le péché. Parce que le péché, c'est ça, c'est une barrière pour avoir l'accès au ciel. Le péché n'est encore pas au ciel. Le péché n'est encore pas au ciel. C'est pourquoi c'est pas le péché que l'humanité est plongée dans ces choses. C'est pourquoi Abel déclare, pas un seul homme, le péché est venu dans le monde. Et pas le péché, la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, vient le jugement. Donc, on comprend quoi? Le péché, c'est ça qui entraîne la mort. Le péché, c'est ça qui met une séparation entre Dieu et nous. Le péché, c'est ça qui souille notre âme, notre esprit, notre corps. Le péché, c'est ça qui nous rend vraiment infaillible et tu nous laisses être une proie pour le monde des ténèbres. C'est pourquoi, mon frère, c'est pas toi du péché. Abandonne le péché. Sors de ces choses. La Bible déclare, sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Et convertissez-vous. Rendez-vous seul. Et marchez comme je veux réellement. Donc, mon frère, ma soeur. Allez-vous manger ailleurs. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Le péché, c'est ça qui est annonçable pour le royaume de Dieu. Et quand on parle du péché, bien-aimé, on parle de beaucoup de choses. Parce que c'est quand nous pouvons pratiquer. On peut penser que cela est bon et agréable et parfait. Mais en réalité, ça constitue un péché. Il y a des péchés subtils. Il y a des péchés vraiment qui se montrent en plein public. Donc mon frère, le Seigneur te dit, c'est pas toi du péché. Abandonne le péché. Alléluia. Le Seigneur dit abandonne le péché. Et quand on parle de se repentir, la repentance c'est changer de comportement. Repentez-vous, repentez ces changements d'attitude, changez le mode de vie, de caractère. Donc Dieu te dit de changer ta façon de vivre, de changer ta mauvaise vie, de changer ta façon de te comporter. Le caractère mondain, le caractère pudique, le caractère d'ivrogne, le caractère de soulard, le caractère de folle, toutes ces choses, le Seigneur te dit de changer ce caractère, de changer ce mode de vie, parce que ça ne lui glorifie pas. Ça ne connaît pas, mais d'adopter une vie qui lui est agréable, une nouvelle naissance. C'est pourquoi il avait déclaré que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, tu dois accepter Jésus-Christ pour devenir une nouvelle créature. Si tu n'acceptes pas le Seigneur, tu ne peux être qu'une nouvelle créature. Pour avoir le renouvellement de l'intelligence, tu dois naître que de nouveau. Et pour naître que de nouveau, tu dois respecter les 10 commandements. Tu dois respecter la parole de Dieu. Ces commandements, la Bible déclare que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements si vous m'aimez. Et les commandements de Dieu consistent à respecter, à pratiquer sa parole. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu seras vulnérable lorsque tu vas mourir après la mort. Alors mon frère, abandonne le mal. Abandonne le mal. L'enfer chauffe. L'enfer brûle. L'enfer chauffe. L'enfer brûle. Il est fait chaud en enfer. Il fait chaud en enfer. Il fait chaud en enfer. L'enfer brûle et l'enfer existe. Donc mon frère, je vais te dire, bien-aimé, sors de ces choses. Évite de rater le ciel. Abandonne l'impudicité. L'impudicité, quelque chose qui va t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. L'impudicité a plusieurs formes. Quand on parle d'impudicité, ça c'est forme. Il y a la masturbation. Il y a la fornication. Il y a l'avortement, il y a le concubinage, tout ça constitue l'impudicité. C'est pourquoi, mon frère, tu dois comprendre que d'abord, l'avortement, c'est une forme d'impudicité, c'est un meurtre. Si tu avortes, tu couches avec quelqu'un, tu prends les pilules, les plans familiales, les méthodes contraceptives pour tuer l'enfant, tu commets un crime. Et si tu meurs en prenant ces choses, tu vas aller en enfer. Donc, si tu un jour, prends, puis la voter. Si un jour,
tu as avorté, tu as tué cet enfant qui venait de naître, qui devait naître. Repends-toi et confesse tes péchés. Confesse cela pour être pardonné. Parce que si tu meurs, le Dieu qui t'a créé va te demander pourquoi est-ce que tu as avorté à l'hôpital, ou pourquoi est-ce que tu as avorté en prenant les comprimés, les médicaments pour tuer l'enfant qui était dans ton ventre. Alors mon frère, si tu as pratiqué l'avortement, si tu étais dans ces choses, repends-toi et demande pardon à Dieu. Confesse tes péchés. Il est écrit, si tu confesses ta bouche, que celui qui cache ses ne poussait pas. Tu ne dois pas cacher tes carrossions. L'avortement, c'est sous plusieurs formes. Le préservatif aussi, c'est une forme d'avortement. Tous ceux qui utilisent le préservatif, s'ils meurent avec ça dans leur cerveau, allant en enfer. Parce que le préservatif, c'est une forme d'avortement. Lorsque tu utilises le préservatif, tu jettes ta semence par terre. Le sperme que tu jettes là-bas, le sperme que tu jettes là, tu jettes les enfants de Dieu dans le WC, tu jettes dans le caniveau, tu jettes dans les poubelles. Si tu meurs, tu vas voir après ta mort. Si tu ne crois pas, ne meurs pas, mon frère, avec les préservatifs dans ta poche. Ne meurs pas avec les préservatifs dans ta chambre. Ne meurs pas avec les préservatifs que tu utilises pour coucher avec ta femme. Si tu meurs, tu vas t'aider en enfer. Repends-toi. Si tu as un programme cette nuit de coucher avec les préservatifs, va jeter ça. Parce que si Jésus revient, ton couple avec ça, tu rates le ciel. C'est une forme d'avortement. Tu as déjà tué les enfants de Dieu. C'est le sperme que tu jettes là, la semence que tu jettes par terre. Tu vas rendre compte à Dieu. Quand tu prends tout ça, c'est biblique. Même Onan, lorsqu'il a couché dans la Bible avec la femme de son frère, il a versé son sperme par terre. Dieu l'a frappé de mort parce qu'il a versé sa semence par terre. Si tu as frappé de mort Onan dans la Bible, toi, est-ce que tu penses qu'il va te frapper? Il va te frapper également. Tout homme qui verse sa semence par terre, par les préservatifs, vous serez frappé par la colère de Dieu. Vous serez frappé par la colère de Dieu. La colère de Dieu ne va pas manquer de vous atteindre. Si tu as conclu avec ta femme que tu vas avoir 5 enfants peut-être, il y a les méthodes naturelles pour limiter le nombre d'enfants. Quand tu utilises les préservatifs, tu peux prier. Tu peux te dire au Seigneur qu'on a conclu d'avoir 16 enfants. On va s'arrêter là. Mais ça ne doit pas nous empêcher pour continuer ensemble. Dieu qui a créé maintenant, la femme va arrêter les naissances. Ça, c'est la première chose, la prière. La deuxième chose, il veut que la femme maîtrise son cycle menstruel. Donc, si la femme parvient à maîtriser son cycle menstruel, lorsqu'elle est dans une période de fertilité, elle peut dire à son homme, si on part ensemble, je vais tomber enceinte. Attendons d'abord que ça passe avant que nous puissions continuer ensemble. C'est ça la méthode naturelle. Si tu dis que ce que nous disons vraiment, c'est mauvais, c'est bizarre. Après ta mort, on va te montrer ce que nous prêchons ici, comme un écran. Je sais que ton pasteur ne peut jamais te prêcher ça. Ton prêtre ne peut jamais te dire ça. Ça, je sais, parce que c'est une vérité. Le jour qui va te dire, tu vas sortir de son église. La vérité fait fuir. On n'accepte pas la vérité facilement, c'est normal. Donc, c'est normal qu'il y ait les raisonnements marchés. C'est normal que les gens commencent à dire que ça c'est une église de quoi, je ne sais même pas. Parce que la vérité n'est pas facile à accepter. Si je venais ici et dis que tu vas aller en France demain, tu allais crier ici Amen. Je disais que tu vas te marier la semaine prochaine, tu allais crier ici Amen. Mais je ne suis pas venu pour te dire ça. Je suis venu te prêcher la vérité. Te présenter ce qui doit t'amener au ciel. C'est à prendre ou à laisser. Parce qu'avec la parole de Dieu, on ne discute pas. La Bible dit, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Dieu dit que choisis entre la mort et la vie. Donc, tu es libre d'accepter Jésus-Christ ou de ne pas accepter Jésus-Christ. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de dictature. Il n'est pas là pour forcer les hommes. Pour forcer les hommes à le pays ou bien à pratiquer ses commandements. Jésus n'est pas là pour faire ces choses. Donc tu es libre, mon frère. Mais je vais te dire. Donc, bien aimé, il faut comprendre que toutes ces choses sont réellement en abomination à l'éternel Dieu. La fornication, toi qui as programme de te forniquer ou de te masturber, la masturbation par le savon. La nuit vient, c'est toi qui finis un morceau de savon aux toilettes parce que tu es en train de te masturber. Mais essaie de mourir pour voir.
N'essaie pas de mourir dans la masturbation. Tu verses la semence par terre. En faisant ça, tu invites les démons dans ta vie. Les démons sont dans ta vie. De poursuivre. Parce que tu te masturbes. Il n'y a pas les masturbateurs au ciel. Aucun masturbateur ne verra le ciel. N'entrera au ciel. Personne, il n'y a aucun homme qui utilise les préservatifs au ciel. Il n'y a aucune femme qui avorte au ciel. À part si c'est le pan. À part si c'est le pan sur la tête. Le souffle divin, le souffle que tu as là maintenant, c'est Dieu qui te donne le souffle. C'est Dieu qui te donne le souffle. Si utilise ton souffle pour dire des fertilités, ça dépend de Dieu, ça dépend de toi. Mais il faut comprendre, ce sont les choses qui sont véridiques. Donc, comprends que bien-aimé, ne sois pas dans ces choses. Accepte réellement le Seigneur. Là, c'est ici. Repends-toi. Donc mon frère, tu dois comprendre cela. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, une génération qui refuse d'accepter le Seigneur. Une génération perverse, incrédule. Une génération qui refuse de croire à l'évangile authentique. La parole de Dieu est esprit et vie. Tu dois comprendre, mon frère, le concubinage également, c'est une forme d'impudicité. Le vient en reste. Tu viens avec une femme, mais tu n'as pas adopté la femme. Si tu mets dedans, tu vas mourir, hein, tu vas te rien en fait. Le vient en reste. Une femme qui vit avec un homme, mais l'homme n'a pas payé sa dot, c'est prostituée. Une prostituée devant Dieu. Et la prostituée devant par le ciel. Aucune prostituée ne sera sauvée. Donc si tu vis avec un homme, et quand il n'était pas doté, repends-toi. Repends-toi. Si tu sais que tu vis avec un homme, et que l'homme n'était pas doté, demande à cet homme de partir doté. C'est parti voir tes parents et de t'attirer de doter. Demande à cet homme de partir te doter. Demande à cet homme de te doter. Demande à cet homme de te doter. Parce que un homme qui reste avec une femme sans la dot, c'est un voleur. Devant Dieu. Quand tu as compris ça, que devant Dieu, tu es un voleur. Tu n'as pas compris, bien aimé, que devant Dieu, c'est le vol. Devant Dieu, c'est un vol. Tu n'as pas compris. Parce qu'avec le Seigneur, tu dois comprendre que le concubinage est un forme de tout homme qui vient avec un homme, mais l'homme n'a pas de repos. C'est le vol, c'est un voleur. Et aucun voleur ne pourra entrer au ciel. Bon, mon frère, repends-toi. Accepte Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Prépare le chemin du Seigneur. Aplanis ses sentiers. Aplanis les sentiers, bien-aimés. Jésus t'appelle à revenir à lui. Jésus t'appelle à la repentance. Parce que si tu n'acceptes pas Jésus dans ton vivant, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas l'accepter après ta mort. Si tu n'acceptes pas le Seigneur de ton vivant, ce n'est pas après ta mort que tu pourras l'accepter.